Bonjour épisode 3. Moi dur. Il y a au moins 10 trophées cachés déjà au début. Ouais. Ah, en fait j'ai lancé... Ouais mais c'est parce que je viens de libérer un camp de pas un camp mais un connard. Bonjour Antoine. Enregistrement, la progression encore, bah oui. Voilà j'ai libéré Attends, ouais. Le camp qu'on avait attaqué l'autre fois, il est où? Il y a un vieux vétéran qui a je sais pas. Il a du mal à marcher. Bien, on va aller en voiture. Là, on va faire les quêtes aujourd'hui un peu. Comme ça, quand on aura fait certaines, plusieurs quêtes, on pourra visiter un peu plus la zone. Bah, allez. Alors, journal. On a deux quêtes à Holland Valley. Donc, une à 90 mètres. T'es avec moi, là? Oui, je suis avec toi. Je te vois juste bras dans... Ah tu verras sur la vidéo, tu t'es retourné de... Ah mais quoi ça fait genre... Il y a quelque chose de marrant. Tap 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 C'est bon, on est pas repéré. On l'avait fait ce camp là, non? Encore là. Mais oui, on l'avait fait celui-là. On avait tenté de le faire. Non, on l'avait fait aussi, non? Non, parce qu'on s'est foiré contre les abeilles. Ah oui, c'est vrai, on était mort. Oh, pistolet, je dégomme un oh, peu. Oh putain, c'est tout, un boss celui-là. Non, le loup! Putain, j'ai dû buter le loup parce qu'il allait buter. T'es gentil toi? Oui, oui, t'es gentil. Par contre, les ouais. Ennemis ont tous la même gueule, c'est chiant. C'est un petit défaut quand même. C'est tous des gros barbus. Ah, ici il y a un truc de munitions pour te mettre munitions. Ouais, en bon, ce truc là, c'est le truc de l'abeille là, justement. Une de guêpe. Pour rentrer dans la cache. Et si je m'en rappelle. C'est ça le truc de mine? Ah oui. Moi j'ai pas, ouais, j'ai pas pris là, parce que je suis à fond. Hein? T'as un lance-flamme ou un truc du merde genre? Merde! Bien joué. Merci. T'as un lance-flamme sur toi ou non, quelque non, chose non. du genre? Ah attends, j'ai des... t'as des molotov? Oui. Attends, je vais vérifier. Ouais, bah tu vas descendre avant moi. Que moi j'en ai pas. À moins que ça soit là. Non, c'est bon, j'en ai aussi. Ah ou attends alors il y a un passage ici. Oh le con. On va quand même crever à cause d'abeilles hein. J'arrivais pas à lancer mes molotov. T'es mort? Ouais. Ouais. Alors on les laisse tranquilles, ces putains d'abeilles. Non, bah non, on va faire la quête. On va pouvoir sortir avec de l'argent et tout. Mais non, mais je sais même pas si c'est par là en fait qu'on doit aller. Bah il y avait quand même une porte avec une entrée. Hein. Bah je veux dire, le truc qui nous indiquait cet endroit là quoi. Mais par contre, je comprends pas comment on les nique ces putains d'abeilles. Non, il faut juste pas les toucher. Ouais, le problème c'est qu'on peut pas. Si on peut passer en dessous en glissant. J'avais oublié ça. Faut courir et. C'est là-bas derrière. D'ailleurs, attends, est-ce que j'ai pas. Ah, j'ai pas de silencieux dessus. Tant pis. Tu me laisses 2 secondes pour les repérer. Ouais,
Au gros, celui-là, je l'ai repéré, il veut pas. Il y en a en tué un. Hein. Boss. Oh. Bien joué. Par contre, les cases de munitions, elles explosent si jamais tu lances quelque chose à côté. Oh merde. Ça, c'était pas prévu, ça. C'est normal. Mourut. Par contre, c'était pas prévu non plus que les flammes aillent aussi loin. Attends. Ah oui, ok. Il faut monter en fait. Hein. Regarde, il y a une échelle à gauche. C'est marqué monter me voir. À mon avis, il faut monter. Hein. Par contre, ça me casse les couilles, le gars qui parle tout le temps là. Fais gaffe, ça glisse un peu. Mais je crois que en fait, c'est pas là qu'il faut aller. Non, j'ai bien remarqué. Non, ça, ça se casse pas. Ah, gros, gros, gros. Si, c'est là. Tu vois le câble bleu là? Là-bas, à 46 mètres, il y a un point aussi. Je crois qu'il faut prendre le câble bleu et atterrir dans le trou qui est là-bas. Oh non. C'est ça, mais à mon avis, il faut passer par ici. Ouais, il y a une fenêtre par là. Oh putain, bon, il faut atterrir là-bas. Ouais, d'habitude, il est pas là, ce nid-là. Si, si. Il y a depuis le début. Quoi, ça passe même pas en courant. Gros, gros, il faut aller là-bas. Ok. À mon avis, faut pas rester très longtemps au même endroit. Merde, sinon, c'est là qu'elle commence à attaquer. Ok, moi c'est bon, j'y suis. Il y a masse de thunes. Pourquoi? Mais non, pourquoi il veut pas? Je comprends pas. Mon gars, je sais pas pourquoi je suis ralenti à mort quand je passe au-dessus. Je sais pas. Je t'attends là-haut. Ah, plus là. Il y a un Kevlar aussi, si jamais t'en as pas. C'est ici qu'il y a le tout. Tu vois encore l'argent et tout, toi, là? Ouais, oui, je le vois. En argent, ouais, 2 800 $, ça commence. Bon, moi je me barre là-bas. Pour le coup. Et le Kevlar, il est. Il faut que tu restes appuyé sur X. Hein. Le Kevlar, tu l'as ramassé en arrivant. Je t'ai vu le prendre. Oh! Jamy!
On a retrouvé un véhicule. Ah, oui. Ouh, le gros camion. Ouais, attends, je cherche, y'a pas... Là, y'a un peu de thunes. Oh, il y a des miniguns dessus. Oh. Ça marche comment? Attends. C'était pas ce bouton là. Conduire, reculer, frein, changer d'arme. Y'a rien d'autre? Non. Ah ok, c'est comme ça. Foncez dans les barrages. Bah go hein. Y'a une quête hein. Ah c'est ça le Widowmaker? On devait ramener. Go! Putain de merde, vous avez réussi. Vous avez récupéré le Widowmaker. La secte va vraiment vous en vouloir. Donc t'occupes pas de tirer, si? Moi si tu peux. Mon père a posé des canons sur ce truc. Soyez pas timide, officier, tirez. Ah, c'était une grenade ça? C'est des canettes que tu balances. C'est des canettes. Oh mon dieu, t'es mort de peur. Fuck yeah. C'est tellement ça. Wouhou. Jordan, on a un problème. Et ce problème s'appelle hélico. Ouais, trop loin, je vais essayer de m'en charger. Oh là, t'as... Comment dire, ton véhicule, il a un... Il a une barre de vie? Pourquoi? Parce que derrière il fume un peu. Oh les caribous. Oh les bobombies. Ouais, il y a une barre de vie au véhicule. Donc je suppose que toi aussi t'es mort. Ouais, je vais essayer. C'est L1 pour tirer hein. Donc je présume que tu es mort aussi. Ça a fait prrr, vous êtes mort, j'ai fait ah ok. Écoute, je pensais que c'était bon moi ce que tu faisais. Bah technique. Ah bah en plus c'est conducteur, allez, roule Johnny. Ah 4 sur 9 déjà. Bon bah ok. Par contre j'ai qu'un petit pistolet. Hey, j'avais qu'un petit flingue aussi. Là j'en ai battu un. Klaxonne. Il reste appuyé. Les bambis. Oh le cerf. Oh, le headshot. Oh, ça c'était pas prévu. Jordan, je crois qu'on va péter une deuxième fois. Ouais. Tant pis. Tourne.
Oh sniper, ma grosse. Allez, viens, t'es où? Les vaches, attention les vaches. Mais non, ils vont sur moi. Saloperie d'ours. Oh, j'ai abattu. Attends. J'ai touché. Oh, deux fois. Y'a un fils de... Bon bah, y'a plus d'hélico. Occupe avec le camion citerne. Non, on est en feu. Mon père aurait été fier de vous voir conduire le camion comme vous le faites. Rapportez-le à la maison. La foule l'aide. On l'a. Non, ça va pour le moment. Me tromper de touche. Attendez-moi. Je te sors plus, je peux pas changer de siège. Attends, j'arrive. Le véhicule, il va plus vite que moi. Dis ta race. C'est bon, je suis dedans. Non, attends, je suis pas dedans. Mais moi non plus, je peux pas y aller. Hey, laissez-moi entrer. Non. Oui, vas-y, avance un peu. Vas-y, conduis. Je te laisse le volant. Merde, il est bloqué. Oh, attends, doucement, qu'est-ce qui se passe? C'est par là. Oh, t'avais pas vu le caillou? On va continuer sur la route en fait. Hein. Allez, bouge. Bon, c'est bon. Ah, il tue un nouvel allié. Rip. Quoi? Oh, mais c'était carrément pas là en fait. Ah, c'est là. Plus long. Ne l'écrase pas. C'est rond hein, pour le... Moi j'ai voulu faire carré parce que d'habitude c'est carré mais... Hop. Par là, Mary May. Bonjour. J'en crois pas mes yeux. Je dois dire que revoir le camion de mon père, ça me rappelle pas mal de bons souvenirs. J'avoue qu'il est beau. Je chaque fois qu'il rentrait à la maison, comme aujourd'hui, et je lui faisais coucou. Vous avez assez de cran pour le conduire. Mais surtout, vous avez du courage. Vous auriez plu à mon père. Si jamais vous avez besoin d'utiliser le moteur, n'hésitez pas. En attendant, je vais rester à l'affût. Si j'entends quelque chose d'intéressant, je vous fais signe. Merci encore, officier. Nickel. Bon, moi je vais chercher un petit silencieux pour mon arme. Le Widowmaker terminé. Bonjour. Est-ce que t'as un silencieux pour mon sniper? Le péché est un poison. Il nous pousse à commettre l'irréparable. Je sais ce qui te pousse à agir. Alors, je connais. Ah, attends, bonjour toi. Rends l'arme virtuellement silencieuse, ne vous souciez pas de la forme, le coin ne le rend. Les coins ne le rendent. T'as pas remarqué qu'il y avait une cinématique là? Enfin, pas une cinématique, mais. Le gars qui nous parlait? Non. Je vais prendre un silencieux. Silencieux carré ou silencieux normal? Silencieux normal. J'ai encore besoin de ton aide. Les gens que tu as sauvés à l'élevage Woodson m'ont parlé d'un transfuge. Il s'est réfugié auprès de la résistance au camping de Silver Lake. On peut du curé. Je ne sais pas quand le Seigneur me soulagera du fardeau de tous ces blessés.
pas au camping de Silver Lake et assure-toi que ce garçon est sain et sauf. Nous devons être ouverts au partout. Vise autre part. Oh, oh. Officier, j'ai un gros problème sur les bras. Merde, j'avais lancé la quête et comme je l'ai visé avec mes poings. Sinon, nous ne valons pas mieux qu'Eden's Gate. Quitter le navire, mission principale. On doit prendre le camion, c'est ça? On va faire cette quête-là, là. Je sais pas où elle se trouve, mais. Là, elle se trouve là-bas. Bref, libérer des otages d'après ce que je vois. Ah, dommage, j'ai pas réparé. Ah, non, on a déjà fait. Ah, non, c'est une quête. C'est une quête de partout, tu vois ce que je veux dire. Chaque fois qu'on voit un gars, si on le libère, ça nous donnera la quête. On va aller là-bas du coup. T'as écrasé le chien? Attends, t'es. Sérieux? Bah. Je crois. Oh mon gars, il y a un ours là-bas! Oh le bâtard! T'es parti où? Je sais pas. Je suis en train de courir. Winnie! Il est ici, je l'ai tué. Ça les ralentira et nous comprendrons l'alerte. Faut bien viser. C'est un grizzly, ça, non? Ouais. Ouais. On va te choper. Là, dans la forêt, il y a des gars sur moi. What? C'est quoi ça? Ils sont morts, ils sont morts, ils sont morts. Bah, je sais pas, je vois plus rien. Moi non plus. Ah, ils ont utilisé de la grosse ordure, ok. Moi, je vois carrément plus rien là. Bah, moi, je suis dans un sur un écran noir. On est mort? Non, on est pas mort. J'ai pas compris. Bah, je crois qu'on est mort. J'ai pas compris. Monsieur, c'est moi tranquille. Par contre, les chargements sont longs. Ah ouais, ça c'est le petit souci. Après, ça va, il y en a pas souvent non plus. Faut juste éviter de mourir quoi. Ah non, c'est normal. Ah non. Mais non, bah ouais, ils nous ont drogués. Non, celui-là. Je le trouve pas vraiment digne. C'est pas à nous d'en juger. Il faut qu'on l'amène jusqu'à l'eau. La purification commence ce soir. Attends, ton genre, là, je vais me faire purifier. Oh, je suis déjà quasi mort, alors me noie pas, connard. Moi, c'est de la vodka. Alors seulement, nous pourrons voir la lumière divine. Oh, c'est ce connard. Franchir la porte. C'est pas ce que je vois. De l'Éden. Je vais te niquer. Non, pas celle-là. Quoi? Celle-là n'est pas pure. J'espère qu'il parle de mon âme, parce que sinon je suis un garçon, moi. Je sais pas, je crois qu'il parle de l'âme. La purification t'amuse, John? Non, je sais. Tu dois les aimer, John. Ne laisse pas ton péché t'aveugler. Oui, ne laisse pas t'aveugler. Amène-la à celui-là. Petite bite. Papa, c'est toi. Câlin. The bitre. Bonjour. En dépit de tous tes péchés,
Le salut reste à ta portée. Tu n'es pas là par hasard, ni par chance. Tu es là par la volonté de Dieu. C'est lui qui t'offre ce don. De tuer ? La suite dépend entièrement de toi. Tu peux accepter ce cadeau. Ou tu peux le rejeter. Oh, bah je vais l'accepter, hein. Pendant 10 secondes, après je le rejetterai. Celui-ci va réussir son expiation. Allez, le bisou. La porte de l'Éden te sera fermée, John. Oui, Joseph. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans la camionnette, là? On nous a encore pris notre camion, en plus. Tu te confesseras. Ouais, mais c'est pas une camionnette, c'est avec des bidons. Tous les péchés non que tu as commis, même s'ils sont... Je sais pas, moi, c'est le bruit d'une camionnette en train de se faire renverser. D'accord. Je t'y aiderai. Ah ouais, effectivement, ils chargent les bidons dans la camionnette. Si on se confesse sans attendre, tout ira bien, non? Non, ce sera pire. Pourquoi? Nique ta mère. Parce qu'une confession sans douleur n'a aucune valeur. Tu cries ton péché, puis tu le portes à fleur de peau avant que John Seed ne te l'arrache. C'est vraiment magnifique. Putain de taré. Oh! La patate des familles qui lui a donné. Par contre, j'adore la musique à chaque fois pendant que tu te casses la gueule. Oh, c'est tellement beau. Smoke with every day, mon mon gars, ça fait bon, deux attends, fois qu'on se prend putain d'accident. Raté. Ni ne leur fera grâce. Si mère père. Oh, c'est génial. C'est même pas une bim qu'il a, c'est juste un truc pour cacher son putain de flingue. C'est génial. Non, et la meuf, meuf. Je crois qu'elle est morte, Jordan. C'était une cinématique. C'était ta... Vous êtes nul. J'ai un pompe, moi. J'ai un pistolet. YOLO. Oh, j'ai récupéré mon snipe. Oh. Ouais, ils peuvent ramener leur port. Toi. Moi, je suis mort. Comme un connard encore. À ta gauche. Il y en a un deuxième. Ouh, le coup de poing dans la gorge. Ah, que coucou. Que coucou, Bob. Oh non. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais récupérer de pute. Ah, mais faut aller parler au prêtre en fait. Attends, moi je pille un peu parce que j'ai besoin de munitions là. Bonjour mon prêtre. Salut mec, comment ça va? Ben, ça va. Merci, officier. Quoi, j'ai que 32 balles max. La panique est en train de gagner ces fanatiques. Viens voir, j'ai un plan. Mes parties sont toujours en place. Je suis content pour toi. Regarde et apprends. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit prodiges et merveilles dans les cieux. Par ici, officier. Bonjour.
J'ai su qu'il y avait un problème quand on n'a pas réussi à te joindre. Je suis content que le Seigneur m'ait orienté dans la bonne direction. Et notre camion. Mais d'autres gens ont encore besoin de notre aide. La secte emmène le reste des prisonniers un peu plus loin. Ils ont merle avec eux, le temps presse. Prends ce que tu peux et va les sauver. Je vais appeler des hommes à nous. On aura besoin d'eux si on veut réussir. On doit le sauver. On peut pas laisser merle. La base sniper pour toi. Ou pas? J'ai un sniper, j'ai mon sniper sur moi. Oui, 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 mais justement, c'était des bonnes cibles à snipe. Je sais pas, j'ai rien, j'ai pas vu. Une grotte à gauche. Ah mais c'est une grotte en mode non. Non. Faut passer après que c'est explosé. Maintenant. Je suis mort. On peut pas passer par. On peut pas passer par là. Sous le pont, sous le pont, ouais, ouais, ouais. Ah, c'était pas la drogue. Non, où c'est vert, c'est des endroits protégés. Non, le prochain est par là. Quoi? D'où, mon gars? Quoi? Oh non! Oh non! Bon ça va, je suis pas mort. Tiens, fils de pute. Ah! Casse-toi! Ah, j'ai une idée! D'autres cinglés vont appliquer d'une minute à l'autre! Attends, j'ai ton snipe, hein! Oui, il est où? Serre-toi du mortier! Ils sont où? Sur le pont, sur le pont! Faut que tu casses le pont en fait! La secte t'envoie des renforts! Ah non, non, il faut survivre, d'accord! Oh, ils nous arrivent sur le côté, ils nous arrivent sur. Non, 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 je peux pas, ça nous arrive sur le côté. Je les vois pas pour le moment. Il y en avait un sur toi hein, qui est en train de te taper. Ouais, j'ai vu. Il y a des medikits à droite au cas où. T'inquiète, je suis déjà régène. Y'en a un qui arrive sur mon corps. Attention, j'ai tiré. Oh les gogo, les gogo, les gaulois. J'ai retiré.
Ah, hélico, hélico, il faut aller dans l'hélico. Antoine. Vas-y, décolle. Mais grouille, putain. Ça n'allait, lui, là. Ouais, d'accord, il fallait attendre lui, d'accord. Ouais, bah moi encore plus parce que t'étais en retard, connard. Il y a ma petite idée, mais bon. Ils ont des putains de mortiers plutôt badass. Par contre, c'est Roger, fermier 35 ans, qui conduit à côté de moi. Je sais, je peux pas. Arrête ! Tyrène. Tyrène au-dessus. T'es sûr que t'arriveras à te poser ? Parce que j'ai l'impression que t'as bu de la binous, toi. Un peu rapide. Depuis que tu nous l'as rendu. Je te remercie, officier. J'ai marché un peu, ça va me calmer. Je vais retrouver la résistance. Nickel. Mais les amis, c'est ici que je vais mettre fin à l'épisode. Tout simplement. Et on se retrouve dans l'épisode 4. Juste après ceci. Allez, salut tout le monde!